Répondons de ces nous qui on se trouve dans une vidéo sur ASK pour les pupilles de combien 64 ouais 3 je pense ma 4 3 j'ai une petite tête qui est pas si j'en ai très bien pour après j'ai commencé je crois que j'avais fait hors vidéo parce que vous préférez c'était un nouveau compagnon qui vous dit ça. Aussi, je trouve que bien, on va prendre un petit peu les nouvelles pour avoir un forge. Et quand j'aurai un forge, je vais créer une, si vous préférez, un endroit spécial, une sorte de pièce. Parce que bon, la forge, je vais pas la mettre chez moi, de toute façon, il n'y a pas de place. Et je la mets dans, je pourrais dans une pièce spéciale. Donc, comme ça, elle sera dedans. La forge, pour plus tard, elle sera utile parce qu'on devra faire fondre le métal pour créer des lingots, pour se créer des armes. Encore parce qu'il faudra de l'atelier. Pour l'atelier, je sais qu'il faut beaucoup de lingots. Je crois dans les 500. Alors bon. Bon, allez, je vais vous montrer. Tadam! Un par hasard. Ça, je crois que je n'avais pas montré ça. En fait, je vous explique comment je l'ai eu. Parce que j'en cherchais un déjà. J'étais allé là-bas chercher un Triceratops. Ouais, c'est ça que ça s'appelle là, le truc avec les cornes là. J'en cherchais un. Et là j'en ai vu un. Et bon, moi je suis avec mon Carnot, je suis descendu du Carnot, j'ai tiré une flèche, mais j'oublie que lui s'enfuyait. Je l'ai poursuivi, il s'est coincé dans un mur, et je l'ai tué, pas tué, mais j'ai plutôt parlé avec les flèches. Bien sûr j'ai éloigné le Carnot parce que bon après il va attaquer. Et après bim je l'ai eu. Mais bon j'ai quand même galéré à l'avoir. Hein. J'ai dû attendre quand même un peu longtemps. Pour l'avoir, à peine que les baies, j'ai même pas utilisé mes baies à moi, j'ai utilisé les baies que j'avais trouvées dans la forêt. Ouais, mais bon, tu veux bien voir. Il me reste 27 flèches, il faudrait que j'en refais. Juste, j'ai une question que je me pose. Qu'est-ce que vous regardez déjà? Ah oui. Parce qu'il faudrait que je me crée des champs de baies, de nourriture, tout ça. Je peux. Non, je peux pas. Juste, c'est beaucoup même pour l'atelier. Il me faut combien pour le forge 21. J'en ai 5 et j'en reçois à peu près dans les gens reçoit 7 je crois par niveau, je suis pas sûr. Je crois que j'ai tout pédacé, non je sais pas, il faut voir si on reçoit 16. On est presque level, on passe bientôt à level. Attends, on est level combien déjà? Level 24. Faut vite faire ça avant le level 25 parce qu'on est au 25, je vais débloquer des nouveaux trucs et je voudrais les prendre. On va juste un peu prendre DB. On va pas prendre des baies, je veux dire. On va poser ça et on va aller prendre du bois en fait plutôt. Ou non, je sais pas. On fait quoi? Ah non, ça on va les garder pour les trucs. Hop. Ça on va les garder pour ça. J'en ai 17 hein. Et j'aurais dû créer des flèches avec 41. J'en ai de la viande. Ah, il faudra aussi que je vérifie si on a de la nourriture. Je vais vérifier. Déjà, le petit. Ok, lui, il a la nourriture. Lui, on reste parce que ça fait longtemps. Ouais, lui, on reste. Lui. Ouais, il en a assez. Pour l'instant, bien sûr. Carnot, je suis sûr qu'il en a, ouais, bah, il en a assez, lui, c'est sûr. Ouais. Et le petit, il en a combien, lui? Le petit dodo. Lui, on va lui augmenter, c'est quoi, lui, en fait? Pff, il sert à rien, en fait. On va augmenter ses dégâts de mêlée. On va faire un super cheaté. En fait, je sais pas, je crois qu'il peut grandir de ça aussi. Parce que j'ai vu des dodos. Peut-être c'est des dodos. Je crois que c'est des dodos spéciales, je suis pas sûr. Bon, on va faire quoi? Est-ce qu'on fasse ça? Ouais, j'ai dit non, je suis assez. Ouais. On va essayer de chasser. Un dodo. Et putain. Bim. J'aime pas pourquoi ça vibre autant. Je sais pas si on reste comme ça, est-ce que ça vibre autant? Et sur ce coup, c'est. Ouais, toujours. On va prendre de la peau, tout ça.
d'un coup. La peine que souvent je récupère les flèches, je pense souvent elles se détruisent, mais bon. C'est à peu près comme les trucs en fait, ça. C'est comme les lances en fait. Juste, j'espère pas les perdre parce qu'en fait, si je perds les flèches. Ouais, bon, encore les flèches ça va, mais bon. C'est vraiment chiant à fabriquer, il faut de la pierre et du silex. La pierre ça va, mais le silex c'est chiant à récupérer, il faut couper du. Il faut casser du bois. La pierre. Ah, il est pas mort. Oh bah je l'ai raté lui. L'arc il est pas très résistant. Hein. Ah oui, je crois aussi, je pourrais créer bientôt l'arbalète. Ouais. En fait, il y a deux mains de passer. Non, il y a trois mains de passer de level. Ou prendre ça, couper du bois, casser de la pierre. Ou encore tuer les dodos. Bon, pas tuer que les dodos, mais tuer d'autres choses aussi. Mais bon, les dodos, c'est le truc le plus facile à tuer. Faudrait aussi que je tente de le récupérer, lui. Bon, il va pas respawn, mais il va pas décéder. En fait, ça va jamais s'enlever, sauf si on les tue. Par exemple, lui, il va toujours rester ici, sauf s'il part ou sauf si on les tue. Je sais pas, souvent, ils sont buggés, eux. Voilà. Par exemple, lui, il était buggé. Ils ont fui? Non. Pour l'instant, je crois que j'ai perdu. Je sais pas combien de flèches en fait. J'en ai perdu zéro, non? Ouais, j'en ai perdu zéro. C'est pas mal alors. Je sais pas, souvent il y en a qui foutent deux. Que ça me ramène de la peau, c'est pas mal. Bon, la peau ça va pas tellement servir maintenant. Et à peine que plus tard, pour créer les armures, il nous faudrait peut-être plus de peau, mais il nous faudrait de la du métal, truc du genre. Je sais qu'on peut créer une armure en métal, une armure en chimère. En chime, je dis, ouais, je crois que c'est en chime ou chimère, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc, c'est le matériau qu'on récupère souvent sur les. Bah en fait c'est on les récupère où sur les trucs qui volent là les moustiques les trucs du genre moi j'appelle moustique mais je sais pas comment ça s'appelle en fait où on les récupère sur des choses bizarres dans l'eau oh tous les dodos qu'il y a hop headshot hop headshot hop headshot non même pas là, c'est je l'ai rasé lui voilà. Au moins ça m'entraîne un peu à tirer. Faudrait que je m'entraîne à tirer encore plus loin. Mais bon, c'est compliqué ça. Hop. Là. On va essayer de tirer d'ici. Faudrait tirer plus haut. Hop. En fait, il faut viser. Les... Ouais, j'ai perdu deux flèches pour rien, je pense. Ah, j'en ai trouvé une. Et la deuxième, elle est. C'est pas elle. La deuxième, elle est où? Je regarde un peu par là. Faut pas abuser, j'ai pas comme tirer trop loin. Oh bah tant pis, j'ai perdu. Maintenant j'ai 34 flèches, non 35. Parce que j'en ai qui sont chargés. Ouais, mais en fait, même si le. En fait, c'est pas qu'il est résistant. C'est le fait qu'en fait, je tire pas vraiment dans les bons endroits. Je vois pas dans le toit. Par exemple, lui, il est tué avant. Bon, là, je vais tirer dans la tête. Trop loin.
Faudrait bien me récupérer un parasaur. Ouais, non, c'est pas un parasaur ça. Je sais pas comment ça s'appelle le truc qui vole là. Je voulais essayer d'en récupérer un. Oh! Il bouge. Il est dans l'eau. Lui, il est salement rapide dans l'eau. Ah oui, il est en train de tuer les gens dans l'eau. Mais lui, en tout cas, le truc là, qui est dans l'eau, il est très rapide dans l'eau. Je peux me le faire. En fait, il y a moyen que il y a moyen que je le capture. Je pense ou que je leur. Ouais, je crois que je vais leur tirer. Il faut leur tirer dessus. Dans la tête. Ah, mais oui, dans la tête. Si je leur tire dans la tête. Ouais, et après, mais oui, mais dans la tête, il faudra que je tire plusieurs à la fois. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, mais bon, c'est vraiment, il faut charger. Il aura le temps de s'envoler. Ouais, elle est partie où la deuxième? What the fuck? Elle s'est détruite? J'ai pas attaqué mes bêtes quand même, hein. Pff, toujours pas de level, hein. Ah bah attends, il faut encore plus d'eau. On peut peut-être tenter, hein. On peut tenter. Ouais, aussi on va le tenter, allez. On va en tenter un. Peut-être. Faut voir s'il y en a un proche. On va prendre des flèches, on va essayer de l'endormir. Et si on a réussi, on va cacher aller chercher des trucs. Des baies pour le truc. Bah attends, on va prendre lui, hein. Ouais, bon, c'est juste à côté, on va prendre notre petit truc. Non, non, quand même pas. Non, non, c'est pas vrai, il est pas très maniable. Même lui, encore, il est plus maniable. Incarné est plus maniable que ce truc, hein. Oh, je sais pas, en fait, parce qu'en fait, quand il recule, non, mais je sais pas. Il est là-bas, s'il te plaît, atterris juste. C'est certainement le mec, il atterrit. Et je l'ai. Lui, en tout cas, il se rapproche de nous, lui. Est-ce qu'il, lui, il est dangereux? Oh putain, non, je commence à le tuer parce qu'il attaque comme un malade. Oh, 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 oh. Merde, mon arc il est presque pété. À force de tirer sur tout, en même temps, il nous faut 7 de bois et 4, et 11 de fibres. Et les fibres, je crois que c'est bon. Hein. Même il faut. Ah non, il me faut encore. Ah non, il me faut 20 de fibres. Voilà, la fibre, c'est bon, je crois. Maintenant il me faut du bois. Ouais, on prend le bois, là il y a du bois. Et voilà. Oh, il est juste à côté. Attendez, 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 attendez. Oh. Oui. Oui. What? Place de la nourriture dans l'inventaire pour l'impressionner. Il mange quoi lui? Il est juste, il mange quoi en fait? Il mange pas de viande, j'espère. Il est carnivore? Non. Il est carnivore? Je sais pas. On va vite chercher les narcotiques. Vite, 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 cours, cours. Et chercher des baies. Plus vite, cours, là. Encore, je suis même pas sûr si... Mais attends, il mange du carnivore, le truc. C'est où c'est mangerait. On va prendre ça, à peu près. Ça suffit, ça, je pense. On va prendre les narcotiques.
lui ça en haut. Non, il est là-bas encore. Putain, l'autre, j'ai peur, l'autre qui se rapproche parce que je sais pas pourquoi, je sens que l'autre est dangereux lui. Mais il est quoi lui? Il est carnivore ou il est. Attendez. Il est carnivore. Bon, j'ai averti les carnivores. Hein. Bah toi là, mange pas de bien alors. Faut attendre un peu. Bon, on va camper ici alors. Il se pense juste à rien de dangereux. Lui il est dangereux. Si j'avais arrêté, il est trop dangereux lui. Il est dangereux, il attaque n'importe quoi. Faudra peut-être le tuer hein. Bah c'est long quand même hein. Ouais faut pas abuser, c'est combien de temps ça? Il y a même pas une chose qui a monté. Faudrait l'enfermer en fait. Ah mais à peine il est. C'est un mal ça, il y a la fenêtre, la fenêtre. Bah voilà, on prend la femelle, elle est là. C'est elle la femelle, hein. Level 3. Ah, peut-être parce que c'est le level, non? Je sais pas. On va juste regarder le narcotique si ça marche vraiment, en fait. Non, en fait, je voulais pas faire ça. Je voulais faire seulement une pour voir si ça marche. Ah ouais, ça augmente, mais seulement... Ça c'est vraiment c'est carnivore ça. C'est quand même choquant hein. Ouais, il a des crocs un peu. Il se fight encore eux, là-bas. Est-ce que vous croyez que je veux voir qu'un des deux si un des deux meurt, je veux voir juste qui a moins de vie. Peut-être qu'ils ont pas beaucoup de vie, j'ai pas à les tuer. Mais attendez, s'ils sont en couple. Non. Il est mort. Je crois un des deux est mort. Ouais. C'est l'autre là. Ouais, il est mort. Oh putain. Je pourrais me tenter le gros là. Est-ce qu'il faut que je reste vraiment le tenter? Il y a plus de vie hein. Oui, mais en fait, j'ai pas réparé l'arc en fait. Tu peux même pas bouger quand je repars là. Ouais, c'est moi qui peux courir maintenant. Ça augmente. Bon allez, c'est le narcotique en lui quand même. Hein. On va attendre un peu ici. Donc ah, je peux augmenter un level. De quoi alors on va augmenter? Bon, à trop commencer du début. 130, voilà. J'ai 21. Bah attendez, j'ai assez non pour le forge. Tout pile, vous avez raison. C'est 16. Oh la forge. Oula. Yes. Et au prochain level, on aura quoi? Prochain level, level 25, ça dit. On aura l'atelier. Mais je vais vous dire un truc. Alors, là, le prochain level, on aura que farmer le métal. Que ça. Parce que je sais, je me rappelle que c'est dans les 500 lingots pour créer l'atelier. Et vous savez, on peut créer des pics. La pioche en métal, j'en ai déjà une aussi en même temps. Une pioche en métal, une hache en métal, une lance en métal.
après s'il faut le créer dans l'atelier, une arbalète. On peut créer plein de trucs, hein. En tout cas, c'est long, mais bon. Sauf que je me demande comment on va faire pour le déplacer. Est-ce que j'ai une question encore? La pluie, est-ce que ça détruit ma lampe? Ma torche plutôt. T'as, à chaque fois quand j'ai plu ou je sais pas, il fait froid, j'ai froid aussi. Ouais, mais ça nourrit la viande. En fait, il se nourrit de viande, mais bon, c'est vraiment lent. Hein. Oups, on va le. Hop, hop, les deux, voilà. Ça devrait le suffire un peu. Normalement à 163. Ouais, oh putain, ça l'augmente, mais salement. Vous savez, pour avoir deux, juste seulement deux comme ça lui fait ça. Imaginez, ah ben là, j'ai mis deux sans faire exprès, j'aurais pas dû mettre. Parce que là, je suis en train de faire. D'accord, si je me fais attaquer, j'ai mon Carnot. Ouais, le 36 quand même. Mais bon, en fait, un Carnot, moi en fait, je trouve puissant, mais bon, là, c'est des hommes faibles. Alors, le truc, ça va me faire rire, c'est lorsqu'on contre un T-Rex. Pour l'instant, j'ai vu. Pour l'instant, la plus forte bête que j'ai vue, c'est le Carnot. Que j'ai vu, hein. J'en ai vu un, je l'ai tué. Bon, il était plus faible que celui-ci, mais bon. Moi, c'est une femelle, non? Ah, c'est en bas. Ouais, j'ai remarqué mes trucs, c'est presque que des femelles, sauf celui-là. Peut-être j'ai froid maintenant. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est un pété, un ptéradodon, un pté, oh putain, ptéradodon, blablabla. On va essayer de voir. Celle des je braque pas avoir écrit ça moi une fois. Il n'y en a pas d'essai pour eux, mais si il y en a, c'est obligé. Je sais qu'on peut les faire voler. Parasote, attends, je me rappelle de son nom alors. Théropiode. C'est au level 35. 35, encore du long chemin. Oh putain. Bon, moi on en aura déjà. Ce qui est pas mal, hein. Faut l'avouer quand même. Hein. Alors, en même temps, il me faudrait. J'ai pas du silex. Il me faut du silex et une pierre. Ok. Pour réparer ma torche. Hein. Là, il y a de la boue. On dirait tout à côté. Hein. Hop, une pierre. Et le silex. Voilà. On fait ça. Ça. Et voilà. On a réparé l'item. Bim. On a un item tout réparé. Ça va être long, ça. Hein. Faut en faire comment? Est-ce que j'arrête la vidéo? Et ouais, ça fait combien de minutes déjà? Ouais, c'est quand même un peu longtemps, je pense. Ouais, bah bon, je pense que je vais le faire hors comme ça. Je vais essayer, s'il meurt pas, bien sûr, parce que bon, ça m'a déjà arrivé que je suis parti quelques minutes et là je vois qu'il était en train de se faire attaquer. Pas ça, hein. C'était un. En vrai, c'était mon raptor, mon premier. Il s'était fait assommer parce qu'il avait reçu trop de. Non, parce que j'avais trop forcé. Ouais, il avait reçu trop de coups aussi. Et bah après il y avait un truc là, vous voyez les trucs qui volent, ils nous volent du stuff, bah ça je pense à l'attaquer. En tout cas je sais que c'est carnivore alors le truc qui vole le stuff. Hein. Bon. Moi je suis surpris que ça c'est carnivore, hein. Bon ça m'avantage parce que bon vous me connaissez, moi il me fallait être carnivore. Il est level 35 et vraiment moi, pour moi le jeu qui je peux avoir des trophées plus facilement c'est celui-là. Parce que je sais qu'on peut gagner un trophée si on va dans la montagne la plus haute, si on tue les trois boss du jeu. Si on découvre tous les trucs les dinosaures de base, c'est-à-dire parce qu'en fait vous voyez quand on prend un dinosaure de base, on reçoit on a un sort de livre ou je sais pas, j'ai pas très compris. Peut-être c'est ça, non? Non, c'est peut-être pas ça. Non, c'est pas ça.
Alors, c'est où? Orbite caméra, pioche, blablabla. Ah, il y a une orbite caméra. C'est quoi ce truc? Wouah! Ah, on peut se mettre en troisième personne. Ah, c'est du jeu. Oh, j'arrive pas à jouer comme ça, moi. Ah, oui, bah, c'est pas mal, on peut voir son perso comme ça. Attends, qu'on est en train de bouffer, c'est bien. Moi, je veux qu'il bouffe. C'est quoi la touche? Je sais pas si en fait il y en a en fait. Toi tu bouffes, hein, mais tu montes pas vraiment. Hein. Peut-être si je te mets de la viande supérieure. Je voulais pas faire ça. La viande supérieure, j'en mange pas tellement moi, mais je sais que c'est très bien ça. Ouais, t'en as à peine. T'en as deux, trois. Et ça, c'est quoi ça? Vertèbre de robe. Ce trophée pour vous valeur en tant que chasseur. Oh, de toute façon, je suis un chasseur, moi. Mais ça, c'est vrai. Hein. Est-ce que c'est moyen? Je crois en fait, il bouffe toujours le premier. Merde. Je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Voilà. Et puis ça. En fait, je veux qu'il bouffe tous les trucs en premier. Non. Oh putain, je crois qu'elle a pourri la troisième. Il y en avait une troisième, elle a pourri, je crois. Le temps que je fais ça, en même temps, c'est peut-être possible. Hein. Normalement, ça c'est une qualité supérieure. Ça devrait lui augmenter plus que d'habitude. S'il veut bien bouffer, parce que bon, je sais pas combien de temps il lui reste, ça c'est de viande. Ah, disparu. Non, il les a mangés, c'est sûr. Je pense qu'il les a mangés parce que bon. Ouais, il les a mangés, c'est obligé. On va se mettre en train de varier là-dedans parce que bon. Quand même. Hein. On a combien de pots sur moi? 164. Il y a pas de dodo ici, ça en spawn beaucoup alors. Oh, ça me fait mal au cœur de gaspiller tout ça. Hein. Parce que pour moi, c'est beaucoup ça. Hein. Vous vous dites ça? Narcotique, il m'en faut déjà 5. Narcoberry, il m'en faut 5. Pour une seule, hein, et il me faut une viande variée. Encore les viandes variées, ça va, j'en ai plein. Maintenant, je peux à peu près en créer plein. Mais juste. Ouais, ton durée se baisse de plus en plus. Ah non, je sais pas, il a reçu une. Il a une aigrette, une heure qui s'est rajoutée, on dirait. Mais en tout cas, vraiment, moi, narcotique, c'est vraiment galère pour moi à le faire. C'est bon, ça a augmenté. Putain, il est trop, il est beau. Attendez, il est quoi? D'origine, il est pas comme ça, lui. Putain, mais oh, ça, son aile, il me fait bugger. Ah, mais en fait, il est salement beau, en fait. Hein. Quand tu regardes de plus près. Je savais pas qu'il était comme ça. Parce que vous voyez, il y a des sortes de rayures vertes, un peu blanches. Ouais. On voit bien que les carnivores. Parce que les carnivores, eux, ils ont des dents comme ça. Les herbivores, ils ont plus des dents normales. Mais bon. Je suis quand même choqué parce que c'est un des dinosaures de base qu'on connaît dans un truc. Parce que par exemple, c'est un des dinosaures. En fait, je crois que dans ce jeu, à tous les dinosaures, ça n'existait pas. Hein. Bah, la preuve, le dragon, ça n'existait pas. Ou encore la manticore, ou encore. Là, je parle des boss. Hein. L'araignée, le gorille, ouais, je sais plus si c'est un gorille, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il y a un gorille. Mais bon, en tout cas, eux, ça n'existait pas. Putain, je vais trop m'amuser à un truc. À voler avec lui. Il faut vraiment que j'augmente son énergie. Hein. Il a combien d'énergie lui? 480. Oh, c'est pas beaucoup ça. Il a pas beaucoup de vie aussi. En même temps, regardez, je l'ouvre une flèche dans la gueule. Vous avez vu toute la vie, ça l'a enlevé. Choqué à peine, hein. Une flèche. Alors imaginez juste qu'il serait pas endormi tout de suite. Je lui aurais mis une deuxième flèche, il serait mort. Mais pourquoi ça lui se régène pas? Vous savez, il y a des gens, on me dit ça, ça aussi tue les flèches en tranquillisante. Parce qu'on peut endormir les gens, et quand on les endort, ben on peut les. Parce qu'il y a souvent des trucs pour les prendre. Parce qu'en ce temps, on peut les ramasser. Il y a des cages, on peut les enfermer dedans.
C'est super bien ça. Au moins tu peux avoir des otages. Mais moi en tout cas dans RK, je trouve vraiment c'est un jeu, on peut faire plein de trucs avec. Par exemple, on peut faire des scènes, on peut jouer des sortes de RP, on peut se faire des trucs un peu marrants, par exemple, du genre, il y en a qui se mettent, ils s'habillent full métal, ils se prennent pour des chevaliers, ou il y en a qui, je sais pas, ils se mettent, je sais pas, ils sont tout nus, c'est-à-dire comme sans armure, sans rien. Ils se prennent une lance en bois et ils mettent un feu de camp à un endroit et ils restent, ils se font passer pour des Indiens. C'est possible ça. Ah ouais, aussi plus faire si c'est dans le DLC, ça va faire plus réaliste les Indiens parce qu'il y a une tente. Mais bon, pas une tente d'Indien, mais c'est quand même une tente et ça ressemble à une tente d'Indien. Une tente d'Indien, ça ressemble. Putain, mais est-ce que je vais avoir assez de narcotiques? C'est pas sûr ça. Hein. Je vais quand même essayer d'en prendre un peu. Toi, tu vas rester ici. Je vais prendre des narcobéries parce que bon. J'ai rien d'autre de toute façon. Je suis en train d'augmenter mon level en fait juste en faisant ça là. J'avais dit que je vais augmenter mon level dans le prochain épisode juste en. À mon temps l'atelier, j'aurais pas tout de suite en fait. Elle coûte combien l'atelier? C'est vrai, elle coûte combien l'atelier? Atelier, elle coûte 18. Ouais, je l'aurais pas tout de suite, alors il faudrait que j'augmente encore de 1 level. Sinon il y a quoi d'autre en fait? Bon, c'est vrai qu'on a dans le level 25, on n'a pas regardé complètement. Hein. Ouais, de la fourrure, ça, c'est dur à voir. Arbalète, ouais, c'est quoi ça? Ah, oui, ça, c'est un piège à narcotique. Des pièges à ours, oh putain, pour les petits, pour les dodos. Oh. Des selles de scorpion, ouais, carré de culture, moyen. Pancarte en métal, torche murale, ah pas mal ça. Parce que moi les torches, il faut l'avouer, je les pose toujours au sol et ça gaspille de la place. Des piliers en pierre. J'avais déjà des piliers. Même plutôt, je sais qu'il y a des piliers en haut, mais bon, je sais jamais, c'était une radio. Je joue pas avec des mecs, mais bon. Parce que par exemple, si vous jouez avec des mecs, vous pouvez parler avec le micro. Et ça fait comme ça fait dans la radio. Une grenade fumigène, relâche énormément de fumée pour masquer vos déplacements, se déclenche 5 secondes après avoir été dégroupillé. Tourelle balistique, ah oui ça. Faut vraiment faire gaffe ça. Et c'est très bien ça aussi, parce qu'en fait par exemple, bon plus tard bien sûr, mais on peut tuer déjà des gros dinos grâce à ça, grâce à des flèches. Mais on peut plus tard dans le truc, ah il y a aussi ça. Ça va être 30, la tourelle catapulte. Et ah oh oui, le level 30. Le revolver, ça c'est les balles, ah oui. Il faudra le fusil de détresse, ah oui, on est obligé. Il y a la grenade explosive, c'est ça que ça sert pour les fibres. Je sais qu'il y a un truc, je sais plus d'où, attendez, je le cherche. Ah oui, là il y a un fusil encore, canon, fusil à canon scié, grenade empoisonnée, ok, silencieux. Je sais plus lui, où il est. Ah, je crois que ça. Ah oui, voilà. Ça, par exemple, souvent ça peut servir pour les T-Rex. On va t'en prendre un. Tu le lances, bim. Le T-Rex est paralysé. Il peut plus bouger. Mais bon, je pense on va arrêter la vidéo. Bon, moi je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Je vais essayer de le farmer. Oh, putain, il y a des bugs qui reviennent. Je vais essayer de le farmer de mon côté. Bon, moi je dis au revoir. Et j'essaie de farmer comme j'ai dit bien sûr. Au prochain épisode, je pense qu'on va continuer à farmer les trucs. Non, on va farmer le métal.
se crée la forge, puis on se créera l'atelier. Ouais, mais bon, l'atelier ça dure quand même longtemps parce que bon, le temps que le métal ça cuit, bon, je dis ça cuit, j'ai plutôt ça fond. Alors bon, allez, ciao.